Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai besoin de votre aide pour un diagnostic de réparation de pompe. Je vais vous montrer les différents éléments qui vous permettront peut-être de me dépanner. C'est une pompe Dorinox Matic. Elle fonctionne dans ce puits qui fait 2,50 m de profondeur, donc pas très profond. La crépine, je l'ai remplacée par un filtre à manche, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, parce qu'au fond, c'est du sable. Avant de la mettre en route, enfin faire des essais de mise en route, bien entendu, je vais remplir le corps de pompe avec de l'eau et puis bien vérifier que le tuyau est également plein d'eau. La pompe est branchée maintenant et elle est en défaut. J'ai appuyé sur la touche reset et écoutez ce que ça fait. N'y a rien qui amorce. Je ne sais pas comment ça se fait, donc il y a l'eau. Habituellement, quand j'appuie dessus, ça s'amorce. Quelquefois, je suis obligé de rajouter de l'eau, mais là, ça ne se remet pas en route. Je resserre encore. Voyez, je ne sais pas si on entend bien, mais enfin, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui s'amorce. Donc, pourtant, c'est bien étanche puisque ça fonctionnait d'une façon satisfaisante.